tournée avec Clémence. Donc comme vous voyez, on est à Brimborion pour une nouvelle catégorie qui s'appelle Attente vs Réalité. Donc ça va porter sur les web-séries équines, parce qu'avec Clémence, on est juste un peu les mieux placés pour vous en parler, parce qu'on a fait 3 séries, un court-métrage, un hors-série, enfin bref. Donc on vous rassure, on a beaucoup, beaucoup exagéré certaines choses pour que ça soit encore plus flagrant et du coup un peu plus drôle. J'espère vraiment que ça va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Quand tu commences une web-série équine, tu te dis que toutes tes scènes seront faites en 2 secondes. 1, 2, 3. Mais tu me caches ça depuis le début, comment tu veux que je le prenne? C'était trop bien. Hey, scène suivante. Ah là là, si seulement. 1, 2, 3. Mais tu me gâtes. Non mais allez, là, je retourne. J'en ai à l'autre toilette. Je sais plus ce que je dois dire. Putain, Clem. Clément, ça fait 26 fois qu'on l'a fait là, j'ai plus de mémoire. J'arrive. Non mais hé Si tu penses. Putain, on va jamais y arriver. Quand tu commences à tourner une web série équine, tu te dis que tes chouchous seront forcément câlins et affectueux. Je veux du love, allez, c'est parti. Coucou ma belle. C'est ça, tu peux toujours courir pour qu'il soit coopératif. Je veux du love, allez, c'est parti. Topaz. Topaz. Viens. Topaz. T'es sérieux là? Quand tu commences une web-série équine, tu dis que l'organisation, c'est qu'un truc à prendre, qu'il suffit de prévoir, etc. et qu'au fond, c'est pas si compliqué. T'es prête? Ouais, c'est bon, on va s'occuper de quelques affaires et... Ok, alors si ton cours est dans 4 heures, sinon on doit tourner 50aine de scènes, c'est bon, je pense qu'on aura fini, on pourra même tourner 4 scènes bonus, donc on est bon au niveau de l'organisation. C'est parti! Ouais... Mais en vrai... Non, putain! Attends, ton cours il est dans une demi-heure, qu'est-ce qu'on fout là? Tu vois, tu l'as pas arrivé avant! Et tu sais pas, c'est ton cours, merde, ah, moi je t'en viens de lire. Bon, on a fait des scènes à tourner, du coup on les fait quand? On les fait après, on les fait... Allez, vas-y, attends. Quand tu commences une web-série équine, tu te dis qu'il suffit de bien choisir son moment et tu seras tranquille pour toutes tes scènes. Ah ouais, d'accord, ok, tout ce qui me cache depuis tout ce temps là, c'est bon, scène suivante. Alors qu'en fait, il y aura toujours quelqu'un pour t'interrompre. Ah ok, je comprends mieux depuis... Pardon, excuse-moi. Ah ok, je comprends mieux depuis... T'arrives pas? Pourquoi tu parles toute seule? Ah ok, je comprends mieux. Mais attends... C'est Clémence? Salut. Clémence, Cavalera? Salut. Putain, j'adore ta série. Tu tournes là? Et je peux apparaître ou pas, s'il te plaît? Salut. Ouais. Ah non, mais je sais pas, je monte Topaz, on casse les couilles, ce poney de merde. Ah ok, je comprends mieux ce qui m'a élégancé là, en fait. Je suis en train de tourner là. Ah, désolé, mais je peux rester, je dérange pas, non? Non mais je sais pas, il me casse les couilles, j'ai pas envie de le monter là, franchement ça me saoule. Oh, tu vois que je suis en train de tourner là? Mais t'as entendu ce que je viens de dire, je monte Topaz! Quand tu commences une série équine, tu dis que tu vas faire des bêtes de plans pour chaque scène. Alors qu'en fait, bah tu fais comme tu peux. Alors recule, recule. Recule, encore. Mais des zooms, non? Non, mais là je suis au max en fait. Attends. C'est quoi ce truc dégueulasse au premier plan là? Alors attends. Ok, alors normalement là ça va à peu près. Putain, j'ai peur que ma tête ne rentre pas dans le cadre. Alors. J'espère qu'on va pas trop t'humilier, qu'on est bien cadré. Mais fou, c'est trop moche comme plan là. Rien voir du tout. Hein. Ah, mais j'ai pas le choix, hein. J'ai pas de trépied. C'est trop bancal. C'est trop bancal. Et si tu veux, si t'as la peau, on peut aller au parc. Il fait beau, il y a du soleil. Non. Quand tu commences une web-série équine, tu te dis un petit peu naïvement que tu pourras faire tout ce que tu veux, tout ce dont tu rêves pour ton scénario, et que tu pourras mettre en place toutes tes idées. Le top, c'est que tu fasses saut avec tenir, donc du coup, je sais pas, on va se débrouiller faire quelque chose, et après on l'emmène dans la forêt pour la scène où il se fait enlever. Donc le top, c'est vraiment du cross. Ouais, non, oublie. La plupart du temps, c'est à toi de t'adapter. Ouais, mais c'est quand que je retourne chez toi? Bah ouais, mais on peut pas faire une série sans le tonnerre principal, on a besoin de tonnerre. Oh, c'est chiant. Quand tu commences une web-série équine, tu te dis que comme tu as tourné les scènes dans l'ordre de manière chronologique, eh ben tu n'en oublieras aucune, jamais. Alors, au niveau des rushs, cette petite scène, on pourrait la caser là. Ouais, parfait. Ok, bah j'ai toutes les scènes, il n'y a plus qu'à se mettre au montage. Laisse tomber, il te manquera toujours une putain de scène de merde. Ok, j'ai toutes les scènes, il n'y a plus... Putain, non. C'est pas vrai. C'est une blague. Allô Léa? Oui, c'est pas grave, ta mère, mets-la en attente. Non, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus important.
Oui, alors il manque une scène, mais c'est ultra important. J'ai tous les rushs, il manque plus qu'une putain de scène. Il faut que tu me la donnes, il faut que tu la fasses maintenant. Et alors, il est 16h, on a largement de temps. Léa, s'il te plaît, attends, cet épisode il pourrait être publié ce soir là, et il manque qu'une scène. Putain. Quand tu commences une web série équine, tu te dis que ton scénario peut s'accorder aux reprises, aux séances que vous faites. Bah, l'idéal, petite séance, ce serait qu'on fasse un truc qui bouge, mais t'inquiète, on va faire ça, c'est sûr. Fallait pas trop espérer non plus. Non mais c'est mort, mais faudra faire soit dressage, soit mise en scène. Quand tu commences une web série équine, tu te dis que t'auras pas besoin de galérer, ton chouchou sera toujours là pour tourner. Ouais, c'est bon, le tigre, il est là, on t'attend et on tourne la scène directe. Comment expliquer le fait qu'il soit toujours de sortie quand vous avez besoin de lui pour tourner? Mais c'est la merde, ma poutine, il est pas là, il est en reprise. Bah écoute, je sais pas, on va se démerder, on va prendre les scènes en doublure, je sais pas. Quand tu commences les web-séries équines, ou même les vidéos, tu dis que les montages, bah ça prend 30 secondes à tout casser. Ok, alors tous les rushs sont là. On a un petit peu d'étalonnage, on va cutter un petit peu tout ça. On va ajouter un petit peu de son, un peu de transition. Et voilà! Bon, maintenant on va publier, partager. Et voilà, c'est fini! Je pense qu'il me reste encore un petit peu de temps pour en publier 3 autres avant le déjeuner. Ouais, peut-être même 4. Hein. Alors qu'en fait, tu peux facilement y passer la nuit. Allez, c'est parti. Donc, alors... Putain, non, ça va pas du tout, c'est décalé. Qu'est-ce qu'elle fout cette scène-là? C'est pas du tout le bon épisode. Et merde, putain! Fallait choisir ce moment pour bugger, hein, bien évidemment. Putain, j'espère qu'il a pris en compte la dernière sauvegarde. Eh non, évidemment, une demi-heure de perdu. Allez, c'est parti. Je craque. Putain, il est 3h, mais c'est une blague. Oh. Quand tu commences une web série équine, tu te dis que t'auras la détermination, que t'auras toujours envie de tourner des scènes. Ok, alors là c'est bon, c'est parti. On est chaud, voilà, c'est en partie. 1, 2, 3. Alors qu'en fait, c'est loin d'être le cas tout le temps. Et pour tout le monde. Allez, c'est parti, on va la faire. Allez, monsieur, t'es chaude là? Allez, on peut la motive là, c'est censé être en joie là pendant cette scène. Ouais. T'en es fort. Mais. Putain Clément, ça fait 20 fois qu'on l'a fait là. Putain, genre ça fait une heure qu'on est là et on a tourné que 3 scènes. C'est chiant. Ça arrive, j'ai la flemme. Ouais mais Clément, c'est bien qu'on l'a fait. Putain, ça fait 3 semaines qu'on n'a pas sorti d'épisode. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez-nous un petit pouce en l'air et mettez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé et si vous voulez qu'on en fasse d'autres et sur quoi. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et nous on vous fait plein de gros bisous et on se revoit très bientôt. Ciao.